Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Renov, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Darkest Dungeon. Et comme d'hab, on va partir sur un nouveau boss, et j'ai décidé de partir sur le canon de 8 livres, avec une équipe un peu semblable à celle de la dernière fois, c'est pas le même personnage par contre. Seule différence étant qu'à la place du médecin de la peste, j'ai mis une arbalétrière, donc dégâts de loin, avec son arbalète, et un petit sort de soin qui fait plaisir. Et on part pour le canon de 8 livres. Provision. Et je connais absolument pas ce boss, donc c'est la clé de découverte. Si ça se trouve, on va se faire rétamer. Donc, de la bouffe. 4. Plein de torches. 8. 6. Voilà. Deux pelles peut-être. Un petit bandage en plus et une clé éventuellement. On va partir comme ça. Simple folk are by their nature loquacious. And the denizens of the hamlet were no exception. It was not long before rumors of my morbid genius and secretive excavations began to fuel local legend. In the face of my increasingly egregious flaunting of public taboos, awe turned to ire, and demonstrations were held in the town square. Fascinant, excusez-moi, je suis en train de regarder mon téléphone, vu mes messages, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc les gens vont marceler en voyant des messages. Donc, trouver le canon. Regardons un peu la carte. Bon, bah, à tous les coups, il est là-bas au bout. C'est pas drôle sinon. Oh, une boîte. Léger, évidemment. Félicitaire l'infection. Tout le monde. On a réussi à surprendre, c'est parfait ça. Assaut canin, derrière. Saignement. Toi. Ouvre. On achève celui qui est derrière. Tirer là, voilà. Donc équipe assez semblable que la dernière fois, hein. Il n'y a pas eu grande différence. C'est pas le même personnage mais c'est les mêmes sets et les mêmes classes, à part la palétrière qui change, qui est là pour maxer un peu les dégâts et donner un peu plus de soins occasionnellement. Par contre, soin, on va soigner lui avec du saignement, mais c'est parfait ça. Venir celui-là s'il vous plaît. Ils sont violents quand ils s'y mettent ceux-là. Ouais. On continue. Bon, vu la taille du donjon, j'espère que ça durera pas trop longtemps parce que les épisodes de 40 minutes ça commence à bien faire. Encore les mêmes ennemis. On a réussi à surprendre, c'est bien. On part sur la même chose. Voilà. On va tâcher de les étourdir un peu pour un tour, cela. On va mettre un peu de soin. Un peu. Zéro, c'est vraiment un peu. On va marquer lui. Un malus aux dégâts. On va étourdir. Voilà. On tape. Et voilà. Des choses. Torche. On le reprend. Ah, ça c'est de la bouffe. Si j'y fais ça, je gagne plein de bouffe. Une pièce vide. Ah, repérage. Parfait ça. Donc deux gris-gris et un combat. Pas de boss en vue. J'espère qu'il est pas là parce que je vais sauter la pièce qui est là. S'il est là, on l'a dans le. Des choses.
choses. Glittering gold, trinkets and baubles, paid for in blood. Oh non, pas ceux-là. Another one falls. On va mettre un petit soin, non c'est pas la peine, on va mettre un marquage. Esquive, voilà. Voilà pourquoi les slimes ils sont chiants. Ils réalisent à finissement en plus. Et un 12 de dégâts en critique, mais oui, c'est la fête. Je fais celui qui est derrière, ça déjà ça te prie. Stun celui-là, si possible. Résister, putain. Prendre celui-là. Petit soin, s'il vous plaît. Taper comme un sourd maintenant parce qu'il n'y a plus que ça à faire je pense. On va nous faire un slime de 3. Ça n'existe pas les slimes de 3, si. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Allez, on y est presque. Voilà. Size alone does not dissuade the sharpened blade. Ils ont rien laissé ces enculés. On mettra un bandage sur elle, pour qu'elle n'ait pas trop de vie. On continue par là. Je suppose qu'il est tout au bout là-bas à droite. Petite torche. Ils ont faim. Manger. Ça libère une place dans l'inventaire. C'est cool. Ah. Ouf, on a eu de la chance. Tiens, t'as gagné de la viande. Un pour toi. Et un pour... deux pour toi. Voilà. Ça lui aide un peu. Viens ici. Pas de repérage. Continue. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. On va pas y toucher. On a assez de bouffe comme ça. Continue toujours Ipiasi. Est-ce qu'on repère? Non, rien. Torche peut-être. Allez. Une boîte. Parce que si je vais utiliser ma clé, ouais. Des sous, ça fait plaisir. Et deux bouffes. Un pour toi. Un pour toi. Ils ont refaim. Manger. Mais c'est presque un dîner de spectacle cette histoire. Encore rien, mais décidément. Continue. Ouais, c'est un spectacle, je vous dis, encore de la bouffe. Et je pense qu'on campera à la prochaine pièce, à mon avis, le nombre de pièces qui reste. On verra bien. Je rentre, on voit ce qui se passe dedans. Ah, bah merde, j'ai utilisé ma clé. J'aurais dû la garder pour ça, bon c'est pas grave. Pas besoin de soin, on va taper dans le fond. Un dégât sur 3 tours, il lui reste 4 PV, c'est pas assez. On va finir celui-là, je pense, même pas. On va étourdir celui-là.
Voilà, donc je vous rappelle le setup avec ces artilleries fongiques là et ce machin là fongique. Cela marque, et si jamais le gros attaque les gens marqués, fait beaucoup de dégâts. Donc d'où l'intérêt de soit de se débarrasser vite de ces machins là et d'étourdir celui-là au début. Donc on va se débarrasser comme prévu. Non, pas comme prévu parce que c'est de la merde. Donc comme prévu, voilà, les deux derrière qui dégagent. On tire sur celui-là. On retente l'étourdissement peut-être. Non, est-ce que je peux le tuer d'un coup? Non, mais je peux tuer d'un coup celui-là. Executed with impunity. Alors pour ceux qui n'auraient pas remarqué, comment est-ce que je sais que je peux tuer d'un coup ou pas? C'est très simple. Voilà, donc là je prends une attaque et je mets mon curseur sur la cible à tuer. Et vous voyez en bas, dégâts du héros entre 4 et 6. Avec les chances de toucher et les chances de critique, voilà. Et donc si les dégâts du héros sont supérieurs au point de vue du monstre, bah, il meurt d'un coup. En tout cas il a une chance de mourir d'un coup. Donc pas besoin de heal pour le moment, mais ce que je vais faire c'est que je vais marquer ce machin là. Ça il fera moins mal. Autant que l'étourdissement peut-être. Voilà. Alors elle pourra rien faire pour le moment. Donc on va faire un petit soin sur Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. On va taper maintenant. Voilà. Foolish horrors. Un coffre piégé, super. Il saigne, combien de saignements? 2 dégâts sur 3 tours, allez, prends le bandage. On va camper à la prochaine salle, je pense. C'est parti. Ah merde, j'ai plus de pelle. Putain. C'est pas grave. On va mettre une torche quand même. Petit sac. Tiens, une carte. Ah, repérage. Est-ce que le boss est bien au bout du chemin comme je le pense? Combat. Boss, ouais, c'est ça, comme prévu. Là-dedans, on a un combat avec un trésor, si je lis bien. Ouais, c'est ça. Ok. On va taper devant pour se débarrasser des Slim. On va taper derrière. Hop. Okay, un moins. Ça c'est de finir les deux derrière, non ils ont esquivé. Un peu de stress, c'est gratuit. Ok, c'est dédoublé, tout va bien, tranquille, au calme. Alors lui, un PV, il va mourir prochain tour, donc c'est pas la peine de le frapper. On va taper là. Voilà. Voilà. Et lui, prochain tour, il meurt. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Encore un corps piégé? Il y avait des réductions ou quoi? C'est pas possible. Bon, 2 dégâts sur 3 tours, on va camper ici. Hop. Gros repas. Alors, on connaît les bails. Empêche les attaques nocturnes avec le chien. Alors. Moins de dégâts de stress, encourage un compagnon moins de stress. Supprime le saignement. Du soin, on est fou, lui, c'est pas la peine. Diminue les dégâts de stress. Thérapie Camine, diminue les dégâts de stress. On va faire ça, tiens. Il reste 5. Moins de dégâts de stress. Ils ont pas de j'ai pas fait pas du tout attention à ce qu'ils avaient comme skill de campement.
Du coup, là, on n'est pas terrible. Par du soin, de stress. On va soigner le stress. Voilà. Voilà. The match is struck. A blazing star is born. C'est parti. Donc là, on a deux combats et après le boss. On va faire gaffe, il y a plein de pièges devant le boss. Combat maintenant. Ah, des araignées. Bonjour. Un de moins. Deux de moins. J'ai chien à la colle. Bon, on va faire un petit soin. J'ai eu un peu de cerveau là, un bruit de phare. Ok, voilà. Des sous. Génial. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. En plus, l'obsédé cache des trésors. Bon, cool. Combat là-dedans, on est prêt, on y va. On n'arrête pas de les surprendre, c'est bien, je crois qu'il y en a un qui a un objet qui permet de surprendre les ennemis plus facilement. Ok, donc il va falloir se débarrasser de ces machins là devant plus rapidement, ou alors stun ces machins là. C'est ce qu'on va faire. Pour le premier tour, le sniper sur lui. Voilà, on en enlevait un. Retour distance sur le deuxième. Résister. Ouf. On stun le deuxième. Voilà. On va abattre celui qui est au fond là-bas, voilà. Ça a pas de marquage. Pas de marquage en plus. Nouveau tour. Étourdissement. On joue un peu la tempo sur les combats, l'étourdissement, ça prend du temps. Petit bandage peut-être. Petit bandage. The blood quickens. Petit soin aussi, voilà. Full heal. Celui-là. Bon. Il reste combien? Un. Génial. Voilà, c'est bien mort. Donc celui-là, prochain tour, il est mort. On va mettre un marquage, puisqu'on est full vie, on n'est pas full vie, on va se méfier de l'étranger, voilà. On va tirer maintenant, hop, 3 de dégâts, ils sont résistants ces saloperies. Boston. Voilà. Bon, faut qu'on l'achève vite avant de se prendre du renfort dans la gueule. Donc, chien. Marquage. Alors lui peut pas tirer, donc ce qu'on va faire c'est on va faire ça. Ça donne un petit bonus. On en finit, voilà. Des choses. On avance. Un sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Déjà pillé, ok. Ok, stop, attention au piège. Juste là.
Désormais 110%. En plus, ça fait déstresser. Rebelote. Ok, boss, donc. Full torche. Qui est-ce qui manque de la vie? Mange. Toi, full vie, toi, full vie, toi, donc un peu de vie. Voilà. Bon. C'est parti. Le canon de 8 livres, je connais absolument pas ce poche, je sais pas comment il marche. Ok, alors on a deux brigands et on a ça, c'est un amorceur. Donc je suppose que lui est c'est lui qui allume le canon. Parce que le canon ça bouge pas tout seul. Tu sais? Chien, on va l'achever je pense. Hop. Ok. Jusque là tout va bien. On va finir celui-là. Il reste à quel point le canon? Parce que renfort, ah, il appelle du monde. Ok, il va être chiant. Il va être très très chiant. Bon, c'est pas grave. Ils ont esquivé. Il fera 1 fois 2 de dégâts, c'est pas la peine. Est-ce qu'on peut le stun? Non. Ok, donc le prochain tour il meurt. Entre 2 et 4 de dégâts, ben on n'est pas rendu. Lui, il arrêtera pas d'appeler du renfort, je pense, c'est ça. Est-ce qu'il peut être stun ce machin là? Essayons. Ouais, résiste. Systématiquement, il va appeler du renfort celui-là, donc c'est pas la peine de. Soit on le focus, on tient le coup. Soit on le gratte petit à petit après avoir débarrassant systématiquement de ces machins-là. Putain. Je pense pas avoir une team assez efficace pour gérer ce truc-là. Peut-être avoir plus de DPS et moins de dégâts tactiques. Hein. De glorieux. Je lui gratte à un dégât à chaque fois, ça va être long. Je me demande si je vais pas faire un accéléré pour cette phase là parce que sinon ça risque d'être un peu chiant.
Et bah voilà, au bout de 20 tours, on arrive à se débarrasser du boss, putain. Bon, je pense pas avoir eu la meilleure équipe pour faire ce genre de choses. Enfin bon, c'est passé. C'est le principal. On achève ceux qui restent. Je pense que le fait de pas avoir arrêté de tuer en boucle le gars qui est censé allumer le canon m'a beaucoup aidé, je pense. Si je l'avais laissé, je pense que le canon aurait tiré, à mon avis, le dégât du canon était présent, je pense. J'ai eu envie de tester, mais à mon avis, ça aurait fait trop mal. Voilà, fini. C'est ça. Des choses qui font... Des choses, ouais. On prend... Et on rentre au MO, et voilà. Un boss de plus plié. Bon, j'aurais sans doute fait un accéléré au niveau du boss parce que 20 tours c'est trop long, beaucoup trop long, et j'avais pas de quoi meubler. On a gagné quoi ça? Je vous demande donc non pour le pli, c'était très rare. Tourdissement plus 40, malus plus 40, critique plus 1, vertu moins 10, dégâts stress plus 15. Ouais. Ok. Un petit niveau 2 pour notre maître chien et notre croisé. Ok. Bon bah pas mal. I see something long absent in the sunken pas mal faces du tout. Of passers-by. A glimmer of hope. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Ah bah on a gagné un nouveau boss, sorcière. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous montrer chaque boss, on va devoir le faire 3 fois. Là. In time. You will know the tragic extent voilà. Chaque boss, on doit faire 3 fois à chaque niveau les difficultés en fait. Vous voyez, on a battu une fois le prophète, on doit le battre encore 2 fois. Idem pour le cochon, idem pour la sorcière, pour la sirène. Voilà. Chaque boss devrait être battu 2 fois. Mais on a encore 2 boss qu'on n'a pas encore fait avoir. Et après, je pense que j'arrête de montrer les boss parce que ce sera répétitif à force. On verra bien ce que j'aurai à vous montrer. Voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.